mes amis. Comment allez-vous? Très bien. Moi aussi, je vais bien. Aujourd'hui, je suis là. Nous continuons notre révision de calcul. Nous allons réviser. D'abord, on va commencer par une petite chanson. Levez-vous, mes amis. OK. Est-ce que vous êtes content? OK. Vous allez me montrer si vous êtes content. Nous allons chanter. Si tu as la joie, tape les mains, les mains. Si tu as la joie, tape les mains, les mains. Si tu as la joie, si tu as la joie, si tu as la joie, tape les mains, les mains. Si tu as la joie, saute en haut, en haut. Si tu as la joie, saute en haut, en haut. Si tu as la joie, si tu as la joie, si tu as la joie, saute en haut, en haut. Si tu as la joie, dis amen, amen. Si tu as la joie, dis amen. Amen. Si tu as la joie, si tu as la joie, si tu as la joie, dis amen. Amen. Très bien, mes amis. Asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons réviser la géométrie. La géométrie, vous vous souvenez ce que nous avons appris en géométrie? Très bien, dis-moi, qu'est-ce que nous avons appris au premier trimestre sur la géométrie? Très bien, nous avons appris les lignes. Nous allons réviser les différents types de lignes que nous avons appris. Les lignes, ici nous avons deux dessins, nous avons une maison, nous avons aussi un ballon. Observez la maison. La maison, notre maison est construite par différentes lignes. J'ai utilisé différentes lignes pour dessiner notre maison de différentes couleurs. Il y a les couleurs rouges, les couleurs jaunes, couleur orange, la couleur verte. Oui. Observez la couleur rouge. C'est quelle ligne? La couleur rouge nous montre quelle ligne? Très bien. La ligne horizontale. Oui, ça c'est une ligne horizontale, ligne horizontale, ligne horizontale, la ligne horizontale, la ligne horizontale, la ligne horizontale. Très bien. Observez les lignes de couleur jaune. Les lignes de couleur jaune. C'est quel type de ligne? Très bien. C'est la ligne verticale. La ligne verticale, 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 la ligne 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 verticale. Oui, nous avons appris la ligne horizontale et la ligne verticale. Très bien. Observez la ligne. Les lignes de couleur orange, oui, la couleur orange, oui, c'est quel type de ligne? Très bien, c'est la ligne brisée, la ligne brisée, la ligne brisée, très bien. Observez les lignes de couleur verte, de couleur verte. C'est quel type de ligne? Oui, bravo, c'est la ligne oblique. Oui, il y a les lignes obliques. Oui, il y a
la ligne oblique, penchez à droite. C'est cette ligne. Penchez à droite. Cette ligne. Et la ligne oblique, penchez à gauche. C'est cette ligne. Penchez à gauche. C'est cette ligne. C'est la ligne oblique, penchez à gauche. Et la ligne oblique, penchez à droite. Très bien. Donc, il y a la ligne horizontale, la ligne oblique, penchée à droite, et la ligne oblique, penchée à gauche, et la ligne horizontale, et la ligne verticale, et la ligne brisée. Très bien. Observez le ballon. Oui. C'est quel type de ligne? De couleur blanche? Très bien. C'est la ligne courbée fermée. Très bien. Bravo. C'est la ligne courbée fermée. Ok. Ici, c'est quelle ligne? Très bien. C'est la ligne courbée ouverte. Tournez en haut. La ligne courbée ouverte, tournez en haut. Oui, nous avons une autre ligne courbée. Oui, très bien. C'est la ligne courbée ouverte, tournez en bas. Très bien. C'est la ligne. Très bien. C'est la ligne. Dis-moi. Très bien. C'est la ligne courbe ouverte. Tournez à gauche. Très bien. La ligne courbée. Très bien. Dis-moi. Très bien. C'est la ligne courbée. Tournez à droite. Très bien. Donc, on peut utiliser les lignes pour dessiner différents objets, ou bien pour écrire les chiffres, ou bien pour écrire les lettres. Par exemple, la lettre A est formée par la ligne oblique, notre ligne oblique et notre ligne horizontale. Pour écrire les chiffres, on peut utiliser les lignes. Mes amis, pour écrire aussi les chiffres, je peux utiliser les lignes. Par exemple, pour écrire le chiffre 3, c'est la ligne courbée et une autre ligne courbée. Voilà. Les lignes sont très importantes pour dessiner ou bien pour écrire. Alors, nous allons voir ces lignes. Première fois, nous avons vu la ligne verticale. Comment tracer la ligne verticale? Moi aussi, je vais tracer la ligne verticale. Voilà, la ligne verticale. Je commence ici en haut, jusqu'en bas, la ligne verticale, c'est la ligne verticale. Ça vous fait la ligne verticale. Je peux tracer aussi la ligne horizontale. La ligne horizontale, de couleur orange ici, je trace la ligne horizontale, comme ça, horizontale, c'est la ligne
Horizontal. Je peux tracer la ligne oblique. Ligne oblique, penchée à droite. Oblique à droite, ici. La ligne oblique. La ligne. Penchée à droite. La ligne oblique. Penchée à droite, et la ligne oblique penchée à gauche. À gauche. La ligne oblique penchée à gauche. À gauche. À gauche. Voilà. C'est la ligne oblique penchée à gauche. Mes amis, nous avons notre ligne ici. C'est quelle ligne? Très bien. C'est la ligne brisée. La ligne brisée, je commence par ici. C'est oblique. Brisé en haut. Ici, c'est brisé en bas. Donc, c'est la ligne brisée. Ok, ça va finir les lignes qui forment notre maison. Nous allons ici. Ici, nous avons la ligne courbée fermée. Nous allons commencer par cette ligne. C'est la ligne. Très bien. C'est la ligne courbée ouverte. Tournée en haut. La ligne courbée ouverte. Tournez en haut. En haut. Courbe ouverte. Courbe ouverte. C'est ouverte. Je peux entrer? Oui, en passant par ici. C'est ouverte. C'est la ligne. La ligne. Courbe. Ouverte, tournée en haut. Si c'est la ligne courbe ouverte tournée en haut, cette ligne, c'est quelle ligne? Mes amis, très bien, c'est la ligne courbée, ouverte, tournée en bas. En bas. Comme ça. Voilà. La ligne courbée. Ouverte, tournée en bas. Nous avons notre ligne ici. Oui, c'est la ligne courbée, ouverte, tournée à droite. Non, pardon, c'est à gauche. À gauche. À gauche, ici. Comme ça. Donc, c'est la ligne courbée,
tournez à gauche. À gauche. Comme ça. C'est la ligne courbée. Ouverte. Tournez à gauche. Nous avons une autre ligne. Oui, c'est quelle ligne? Très bien, mes amis. C'est la ligne courbée, ouverte, tournée à droite. Faisais mon bras droit. La ligne courbée. Courbée. Ouverte. Tournée. À droite. Ici, nous avons notre ligne. Est-ce que cette ligne est ouverte? Non. Oui. C'est quel type de ligne? Mes amis, très bien. C'est la ligne courbée, fermée. C'est la ligne courbée, fermée. Cette ligne est fermée. C'est fermé. Ici, c'est fermé. C'est la ligne qui est comme un cercle. C'est fermé. Donc, voici les différents types de lignes. Les différents types de lignes que nous avons appris. Il y a la ligne verticale. La ligne horizontale, la ligne oblique, la ligne oblique penchée à droite, la ligne oblique penchée à gauche, la ligne brisée, la ligne courbée ouverte tournée en haut, la ligne courbe ouverte tournée en bas, la ligne courbe ouverte tournée à gauche et la ligne courbée ouverte et tournée à droite et la ligne courbée fermée. Très bien, mes amis, continuez la révision sur les lignes. Nous avons des exercices de révision, de vérification. Ici, vous avez une figure. Observez cette figure et répond aux questions. Observez bien. Nous avons une figure ici et répond aux questions suivantes. Combien de lignes obliques y a-t-il dans la figure? Observez bien. Combien de lignes verticales y a-t-il dans la figure? Combien de lignes horizontales y a-t-il dans la figure? Ça, c'est la première question. La deuxième question, tu vas tracer une ligne courbe ouverte tournée en haut. B, une ligne brisée. C, une ligne oblique penchée à droite. Une ligne D, une ligne courbée fermée et une ligne horizontale. Voici les exercices. Faites-les convenablement. Merci pour être actif. À la prochaine fois. Je vous aime. Au revoir.